Voici la sélection cinéma de 7 à Limoges avec deux comédies. Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes handicapés. On est en vacances ou on n'est pas en vacances? Tiens. Allez, on se casse! Allez! Merde, y a plus la bagnole! Je t'ai garé sur une place handicapée, tu t'attendais à quoi? T'as des nouvelles du nouveau? Sylvain? Ouais. J'ai ses parents là, il arrive. Sylvain, c'est toi? Je suis Alice. Tu viens avec moi? Je vous présente Sylvain, les copains! Bon, on peut y aller là! Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur? Fils de pute! Bon, on fait quoi du coup? Fais comme eux là! C'est trop, j'essaie de trouver le truc, je vais trouver le juste milieu. On va passer un été super ensemble, je suis hyper contente. Très, très, très proche, hein. Frères et sœurs, jour et nuit. Allez, va. Yo, putain, qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu n'es pas handicapé. Si, je veux pas handicapé, moi. Bah, on voudrait pas. T'as raison, je suis pas handicapé. Et tu dis rien à personne, hein. Je dis rien à personne. À pas Ludovic. C'est qui, Ludovic? C'est moi, petite bite. Tu sais ce qu'ils font en prison dans les douches? Pardon? Je sais que le passé, c'est le passé, mais il y a qu'à toi que je peux me confier. Remonte. Pourquoi ils nous regardent, les gens? Oh, les vamères! On vous emmène! Et ça fait clic, 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 ton papa. Chérie, t'es trop séduite. Oh là là, oh putain, Marie. C'est parti droit dans sa gueule. C'est pas grave, ça lui arrive tout le temps. Eva intègre l'équipe des femmes de chambre dans un grand hôtel. Entre rire et coup dur, elle découvre ses petites mains soudées et solidaires, même lorsqu'un mouvement social vient bousculer la vie du palace. Mademoiselle, je peux vous aider? Bienvenue au royaume des larbins. Bon, je vous présente Eva. Vous lui montrez les règles et le fonctionnement de la maison. Je sais faire mon métier, hein. Je faisais 25 chambres à l'Ibis. Tu viens m'aider, Kim Kardashian? Tu grouilles, j'ai pas que ça à faire. Tu te recoisses. Ça, c'est attitude Ibis. Ça, c'est attitude palace, c'est classe. T'es attitude palace, toi? 9008 la nuit. Bienvenue dans un palace. T'as violé, t'es des lois. Non, je ne touche pas à ça, hein. Mais c'est pas non, vrai. Non, je ne touche pas à ça. Jamais. Venez soutenir les femmes de chambre qui protestent contre les cadences infernales. Franchement, je comprends pas ce que t'as contre elles. Tu sais, ce qu'elles revendiquent, c'est pour avoir de meilleurs salaires, des meilleures conditions de travail. Ah ! Je préfère avoir un dos en vrac qu'un dos au chômage, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils veulent pas négocier. Il y en a marre d'être invisible, il y en a marre qu'on nous exploite. Tu crois que ça sert à quelque chose tout ça? Tu crois vraiment qu'ils vont faire bouger les choses là? On est rien pour eux. Si on continue à manifester comme ça, on va pas aller bien loin. Il faut qu'on organise un truc pendant la Fashion Week. Fais venir Jean-Paul Gaultier, là, tant que tu y es, là. Bienvenue au défilé des femmes de chambre. Vous pouvez faire la grève. 6 mois, on bougera pas le petit doigt. Qu'est-ce qui se passe? Elle est tombée, elle est cassée. On demande juste à être écoutée et considérée. Nous, on aime notre travail. On aime l'hôtel. C'est pour ça qu'on crie. On lâche rien. J'ai jamais vu des battantes comme vous. C'est quel style, ça? Brigitte Macron. Bonne séance et à la semaine prochaine.